Salut tout le monde, c'est Zelda Retro, et sous cette musique inquiétante, eh bien nous allons continuer le jeu. Pourquoi il y a des flashs noirs? Vous les voyez aussi, non? Est-ce qu'on va réactualiser la capture? Attendez. Paf! Voilà. Voyons voir. Ça y est, ça commence. Parfait. Du coup, on continue. Donc, la dernière fois, nous avions commencé la partie. On avait fait deux donjons. On avait fait le donjon bonus. Et on s'était amusé comme des petits fous, hein, figurez-vous. Voilà. C'est bon, ça ne flash plus. Donc, on va faire la cave aux clés. Donc, un donjon rempli de clés, vous vous en doutez. Donc, ça, je sais que c'est un piège. Ça, je veux pas l'avoir tout de suite. Je pense que j'ai pas le choix de descendre pour commencer. J'aurais peut-être dû aller à droite, mais je pense qu'il y avait juste une. Ah! Ça m'avait manqué, dis donc. Il y a plusieurs portes, je pense que la bonne c'est celle-ci. Pas du tout. C'était à droite la bonne porte, ça me rend compte. Il suffisait d'être rapide. Voilà. Donc à droite, bien sûr. En fait, finalement, peut-être que c'était un mauvais plan de prendre cette tunique bleue parce que j'ai souvent le gland quand même. Donc, au final, voilà quoi. Et la musique devient dégueulasse. Merci. Donc c'est un donjon où il faut quand même pas mal de clés. Hein, en même temps, voilà quoi, c'est un peu le nom de donjon. Du coup, on va s'occuper de prendre les clés. Toute ma santé. Du coup, il y a des bombes qui sont très amoureuses de moi. Aujourd'hui, on va faire le donjon 3 et le donjon 4. Ce sera déjà très bien. Voilà, on peut pas passer des dialogues là, c'est vraiment génial. Je pense que ça a été fait exprès, c'est pas possible. Secret. Ça va, ça je me souviens un peu du jeu quand même, voilà quoi. Ouch! Une petite clé. Il faut souvent des bombes dans ce putain de jeu. D'ailleurs, je pense que j'ai loupé l'upgrade de bombe. Ah merde. J'ai loupé l'upgrade de bombe. Pas de bombe? Il fait, oui, mais ça m'intéresse pas, ça. C'est dommage, ça, qu'il n'y ait pas de bombe. Oh, putain. Alzheimer. Quand tu nous tiens. Si toutes les bombes pouvaient exploser en même temps, ça m'arrangerait. Donc là, c'est la grande clé, mais il me faut l'item de donjon. Voilà. Parfait. Tout juste, hein. La science est à timing, vous le savez. Ok, on avance. Donc ces squelettes sont très vicieux, voilà, ils essaient de vous écraser. En fait, au début, le jeu, on galère, mais une fois qu'on aura passé, une fois qu'on aura certains items, genre l'épée niveau 2, le grappin, le boomerang et tout ça, eh bien, le jeu deviendra totalement casual. C'est ça le problème, en fait, c'est que le jeu, au début, est assez dur, quand même, vu qu'on n'a pas beaucoup de vie, hein, vous l'avez remarqué, on se fait défoncer assez vite, quand même. Mais après, dès qu'on a passé, eh bien, certains points, dès qu'on a atteint, genre, le donjon 5, on devient totalement pété en fait. Vu les items qu'on a et tout, on est totalement pété pour le jeu. Et c'est très dommage, on va dire, mais bon. Ouais, bien joué, hein. J'aime faire des trucs pour rien. Le pire, c'est que je m'en doutais en plus. Félicitations, mais je l'ai fait quand même, quoi, histoire d'être sûr. Un peu d'argent de poche. Et toujours plaisir. N'oubliez pas qu'il nous faut au moins
980 rubis pour ce putain d'arc. Et le maximum est 999, hein. Je vais vous montrer une petite technique. Si vous voulez bien. Nous allons tuer ce boss. Vous remarquez que la bombe n'explose pas quand je la reprends. Ce qui est magique. Enfin, sauf quand le jeu, voilà quoi, marche pas. Mais la hitbox de ces gueules aussi est vraiment... Vous prenez une hitbox? Non, pas du tout. Ah bah j'aspire le donjon 8, hein. Regardez. Ah oui, c'est 3 bombes. Putain. Les angoisses. Alors en fait, j'en tue un. Et figurez-vous que si je quitte la pièce, eh bien ils sont morts. Ils sont considérés comme tués. Quand les mini-boss dans le jeu, en fait ça c'est un défaut, quand il y a plusieurs mini-boss, en général, vous en tuez un seul et ça considère que vous avez que vous les avez tous tués. Ce qui est vraiment effrayant, bien sûr. Et une fois de plus, les boss sont à saigner, donc il faut bien se faire chier, voilà. Du coup, je vais pouvoir venir ici pour faire ce que je voulais faire à la base. C'est-à-dire faire ça. La clé du boss. Et je pense que la dernière clé... Parce qu'il y a 4 clés à avoir, je crois. Ah, mais Start Select, voilà. Elle est au début du donjon, je pense, la dernière clé. Et ça va être une fois de plus un donjon fait à une vitesse de ouf, quoi. Ouais, si j'avais l'épée, ça irait mieux. Parce que vous avez remarqué que si l'épée n'est pas dans vos slots, Link avance sans l'épée. Et voilà, seuls les bots permettaient d'avancer là. Voilà, en effet. Il fallait venir ici pour trouver une clé. Il y a d'autres... Il y a plein de coffres, en fait, hein, que j'ai pas eu. Je suis curieux. Je suis curieux, on va quand même regarder. Donc ça, c'est un piège, il me semble. Oui, bien sûr. Comment je flippe les cristaux? Ah oui, c'est l'autre pièce. Bon, j'espère que le jeu ne va pas... Va pas avoir Alzheimer et avoir oublié que j'ai tué les ennemis. Parce que je pense qu'il y a de l'argent là-dedans. 200. Ah oui. Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait, en effet, petit détective man. Ah merde, mais il est où le cristal pour changer l'état des blocs? Eh bien, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je me barre. Voilà. On va pouvoir aller voir le boss, tout de suite. Enfin, je crois savoir, en fait, je pense qu'il est dans une pièce en dessous. Mais bon. C'est pas très grave. C'est pas fatal non plus, hein. Donc là, un grand saut. Paf! Et pour le boss, eh bien, les bots... Et vous foncez, honnêtement... Ah oui, bien sûr, il y a ça aussi qui est très chiant. Donc en fait, ils ne disparaissent pas quand vous foncez dessus avec les bots. Ah bah, j'aurais double défense pour le boss. Ce qui est magnifique. Et donc ici, pareil, il y a une clé, mais bon, on va s'en foutre totalement. Autant le deuxième boss, le génie, était un peu plus complexe que les autres, c'est vrai. Parce que j'avais double attaque, ça ne s'est pas vu, mais il était un peu plus complexe. Autant là, les boss vont être des grosses merdes. Voyez plutôt. Voilà. C'était magnifique, hein. Un boss de qualité. Eh ben écoutez-moi ça, en 10 minutes, on a fini le donjon. La cloche des algues. C'est
C'est la cloche des algues. C'est la cloche des algues. Un grand donjon, n'est-ce pas? Cascade, c'est caché sous la cascade. Et oui, en effet, on avait déjà vu l'endroit où il y avait la clé. Maintenant, il reste plus qu'à y aller. Oh, j'ai oublié ça. Ouh, combien d'instruments as-tu collecté? Quand tu joueras des instruments face à l'œuf, le poisson rêve se réveillera. Tu me l'as déjà dit 10 000 fois! Oui, vers les dunes de Yarna, oui. Monstre noir des sables t'indiquera le chemin. Ouh, ouh, en effet. Donc on va pouvoir continuer les échanges, en plus, c'est magnifique. Mais avant... Oui, attendez, avant ça, j'aimerais me prendre... Foncer dans cet arbre. Paf! Voilà, il y a un coquillage ici, tout à fait. Il fallait le bonquer du bon côté, attention, c'est fourbe, hein. Donc finalement, j'avais dit qu'on irait au donjon, mais que nenni, nous n'en aurons point besoin. Et on peut reprendre ce quart de cœur aussi. Donc voilà, on a Monsieur Tarquin qui est là. Ton truc me plaît, je te donne du miel pour ce bâton. Alors, et figurez-vous qu'il faut faire ça, parce que une fois de plus, pour avancer dans le jeu, eh bien, il vous faudra cette ruche de miel. Pour avancer dans la principale, tout à fait. Donc, une fois de plus, il faut faire ces petites choses. Voilà, donc tout le monde se branle. Tu vas échanger le bâton contre le miel. Pourquoi faire? Tu verras bien. Je vous aime... Mais... Il fait exprès de faire spawn pile à un endroit où... Voilà. On va pouvoir prendre le quart de cœur qui est caché ici. Donc ce genre de truc, ce genre de caverne, j'espère que dans le remake, sur Switch, ils auront au moins mis des fissures. Parce que là, rien ne t'indique qu'il y a une fissure quelque part. Parce que tu te dis que cette caverne, bah tu vas faire le bazar, tu fais l'énigme. Tu te dis, voilà, quoi, t'as eu quoi, là, t'as eu 50 rubis. Voilà, merci, c'est génial, au revoir. Mais non, il y a un secret, regardez. Ici. C'est comme Zelda 1, en fait. Les fissures, c'est totalement what the fuck. Voilà. Et c'est un quart de corps en plus, c'est pas comme si c'était juste un 200 rubis ou quoi, comme dans Ocarina of Time, où il faut mettre des bombes à des endroits absurdes. Mais on s'en fout, c'est 200 rubis, c'est juste pour le randomizer qu'il faut les retenir. Mais là, non, c'est vraiment des trucs capitaux, tu te dis what the fuck, quoi, qu'est-ce qu'ils ont branlé. Maison des coquillages, bien sûr. Donc je préfère faire les bottes que de me casser le cul, voilà. Non, c'est par là. Donc les bottes ne serviront pas à grand chose sauf à aller vers le village des animaux. Ce qu'on va faire vu qu'on est sur la route en plus, c'est parfait. Donc il me reste encore 10 coquillages à avoir et je peux avoir l'épée niveau 2. Hein. Ça, c'est pas des conneries. On devient totalement surpuissant. Vous allez voir, ça va être assez effrayant d'ailleurs, hein, à quel point on est cheaté dans ce jeu. C'est pour ça que la version Switch, voilà quoi. Si elle est casu, déjà que le jeu vers la moitié devient un peu casu vu qu'on est cheaté, déjà rien que le jeu de base devient casu. Alors si le jeu Switch est encore plus casu que ça, j'ai envie de dire qu'on peut jouer avec nos pieds, quoi. C'est un peu Zelda, mais à la sauce Mario, quoi. C'est comme si Zelda devenait un New, quoi, finalement. Ce sera un peu une angoisse. Donc on peut passer par ici. Parce qu'ici, voilà, il y a un truc pour les bottes. Voilà. Et le village des animaux est par ici. Ne nous égarons pas trop. Voilà. Et on va directement aller ici, voilà, pour le téléporteur, même si je l'aurais pris après, en fait, donc ça ne sert à rien. Salut! C'est du miel que tu as là, j'en ai besoin, tu ne veux pas d'ananas, et voilà! C'est comme ça qu'on fait. Mais pourquoi on a fait ça? Ça ne sert à rien, vous allez me dire, mais si! Oh oui, je connais bien les dunes de Yarna, voilà, parce que ce personnage totalement random nous indiquait comment aller aux dunes! Pourquoi lui? Et pourquoi il le disait uniquement si on lui donnait son miel? Tu ne le sais pas, mais c'est fait comme ça. Mais leur entrée située au sud du village est bloquée par une drôle de créature.
Et quand celle-ci dort, pas moyen de la réveiller. J'ai une idée. Amène Marine avec toi et fais-la chanter pour réveiller cet animal. Ta gueule. Merci. Voilà, donc grâce au raccourci trou, on va pouvoir aller directement au village des mouettes. Donc ce ne sera pas trop grave de se taper tout ce chemin. Et en plus, on pourra aller assez rapidement vers, vers le donjon 4 aussi pour la clé. Vu que c'est juste à côté. Et on a 11 coquillages, écoutez, bah c'est pas des conneries ça, c'est merveilleux. Et vu qu'on a les bottes, on va pouvoir faire le... On va pouvoir faire le gîte des rêves aussi. Ce qui est une chose assez importante à faire aussi. Il faut au moins les gants, enfin le bracelet et les bottes pour le passer. Sans encombre. Putain, mes lunettes sont sales. Ah oui, il y a une trace dans mes lunettes, c'est terrifiant, mais je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc on dort dans un rêve, oui, c'est profond. Bon. Donc en fait ce passage est très difficile sans les bottes, mais avec les bottes il est totalement facile. Putain mais prends au moins un cœur à Brutix. Merci. Surtout pour ces salles ici. Voilà, sans les bottes, je sais pas comment tu les. Voilà, vous comprenez à quoi ça sert, regardez. Il m'a tiré un cœur ennemi. Alors que j'ai double défense, je rappelle. Donc imaginez un peu les angoisses. Hein. C'est génial. Merde, j'aurais dû faire ça après, c'est pas grave. L'Ocarina. J'espère que tu pourras jouer plusieurs airs. Et en effet, c'est à ce jeu-là qu'on commence à avoir l'Ocarina. Dans Link to the Past, ce n'est qu'une flûte. Mais ici, c'est devenu vraiment un Ocarina, quoi. C'est... Le scénario se développe. Et on prend 100 rubis tant qu'à faire au passage, hein. C'est fantastique. Allez, courage, on est à 280 d'avoir le pognon. Même si, bon, je vais être obligé de voler un item parce que pour une photo, il faut voler un item. Ce qui est vraiment con, hein, parce que cette quête ne sert vraiment à rien, mais histoire de faire un 100%. 100%, il y a ça, quoi, voilà, quoi. Et Marine est sur la plage. Ce qui va me permettre d'aller vers le donjon 1. Ah oui, il faut que j'aille chercher mon upgrade. On va la chercher tout de suite. Avant que je n'oublie encore. Comme ça, on l'a. C'est complètement con, en plus l'upgrade est caché au milieu de nulle part. Hein. Vous allez voir. On va juste passer par la forêt vite fait. Comme ça, on a l'upgrade tout de suite. On ne se casse plus le cul à chercher, c'est pas ici. Voilà, l'upgrade est ici. C'est complètement con, hein, on va dire, mais what the fuck. Voilà, ici. Bien évidemment. Et ça, c'est pareil sur la version Link's Awakening normale. Ah, il faudra que je prenne de la poudre, d'ailleurs. Voilà. Comme dans Link to the Past, vous avez ce petit trou et ce petit Mad Bat qui arrive, voilà. Dis donc, toi, merci de m'avoir dérangé pendant ma sieste. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tu es prêt? Tu veux plus de poudre magique? Ah bah voilà, parfait. C'est bien fait pour toi, tu as vu tout ce que tu dois transporter. Allez, salut. Voilà, sur la sonde noir et blanc, c'est pareil. Et ces trucs sont cachés au milieu de nulle part, il y en a trois à trouver, et chacun augmente vos capacités de poudre, de bombes et de flèches. Et je compte bien avoir les trois pour ce fait 100%, tout à fait, ça fait partie du 100% après tout. J'ai pas visité toute la forêt, non? Ah oui, il y a des écrans de la forêt que je n'ai jamais vu. Bah heureusement que je n'ai pas toute la carte pour le 100%, hein. Na ta 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 ta. Ça va aller. Ta 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 ta. Ah oui, en effet, regardez, je vais vous le montrer. En effet, oui, il se confond. Regardez ce livre, voilà. Ce n'est pas une commode, quoi? Ah oui. Pardon. Un monde de couleurs sous 5 pierres tombales. Voilà l'ordre. Comme ça, teste ton courage. Ouvre un nouveau chemin. Le valeureux aura le pouvoir des couleurs. Quel est le nom, le monde de couleurs? Ouais, à mon avis, il en avait fumé du bon, hein, quand il a écrit ça aussi. Bon, on va aller vers le donjon. Plus sera parfait, parce qu'il y a une fois de plus un arbre qui a un coquillage dedans, figurez-vous. C'est quand même formidable, ce jeu est bien fait. Il y a deux arbres dans le jeu, il me semble, qui ont des coquillages dedans, et c'est ces deux-là. Donc il va falloir le bon quai de la gauche, c'est ça le secret? Exactement comme l'autre. Merci. Allez, on retourne au donjon vite fait. Juste pour se faire cette petite bombe. C'est le seul moment du jeu où vous avez du backtracking à faire dans un donjon. Le seul. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Voilà, c'est ce moment-là. Tu ne sais pas pourquoi c'est lui, mais c'est lui. C'est comme ça.
Bah prends la plume tant qu'à faire. Te casse pas le cul. Voilà, un coquillage. Allez, Abestar Select. Courage, j'y crois à mort. Abestar Select. Allez. Allez. Ah, quelle idée débile de Nintendo. Enfin, en même temps, ils avaient pas trop le choix, vu que sur Game Boy Color, t'as 4 boutons. Donc, voilà, quoi. Mais bon, ils auraient peut-être pu faire Start, puis Select pour faire la save. Ah oui, habit bleu, vous avez vu? 1 sur 4, et 4 sur 12 quarts de cœur. Quart de cœur, photo. Je sais pas, un quart de cœur, moi. Ah oui, dans la caverne. Mémoire Man. Amnésic Man. C'est Amnésic Man. C'est Amnésic Man. Il oublie ce qu'il a fait il y a 2 secondes. On peut plus le changer. Oui, c'est bien lui. Amnésic Man. Ah oui, endroit très important pour plus tard, ça. La fissure, ici. Pour le boomerang, c'est primordial. On va prendre un peu d'argent. On n'a jamais assez d'argent. Et je vais aussi en profiter pour tricher. Pardon. J'aime bien tricher. Voilà. Donc cette maison sera importante pour plus tard. On va venir ici. Alors ça, il me faut les palmes. Voilà. Normalement, je suis censé avoir un truc, le bâton de feu pour brûler à distance les buissons. Mais si je fais ça, voilà, je passe quand même. C'est magnifique. Et du coup, ah merde, il me fallait les palmes, putain de con. Je vais passer un trou de 2 si je fais un saut assez précis aussi. Putain, j'ai voulu faire le malin et me voilà dans la merde. Félicitations. Attends, attendez. Il y a peut-être un... Tout n'est pas perdu, il y a peut-être un coquillage dans le coin. Et en effet, ça c'est la sortie qu'on a vue l'autre fois. Je crois qu'il y a un coquillage ici. Donc tout ne serait pas perdu. Ça va, c'est un minimum d'intérêt. De vouloir tricher. Ça, ce n'est pas prévu par le jeu. Hein. Le truc en bas, pourtant, c'est tout simple à faire. Hein. Ouais, le mieux, c'est encore de sauter, voyez-vous. Allez, Marine, je sais que tu es ici. Salut. Oh, Link, tu savais où me trouver. Veux-tu qu'on parle un peu? Oui. Tout ce que je veux, c'est que tu m'accompagnes vers les dunes, en fait. J'ai pas envie de faire une séquence romantique que tous les nostalgiques se disent « Oh, oui, c'est trop onirique, c'est trop le rêve !» Alors que pour moi, je trouve ça vraiment très nul, quoi, mais bon. Enfin, pas très nul, mais assez plate. Voilà, on va dire ça comme ça. D'où vient cette noix de coco? Tarka me dit qu'il n'y a rien par-delà la mer. Moi, je suis persuadé du contraire. Tu sais, Link, quand je t'ai vu, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis sûr que tu es le messager que j'attendais. Si j'étais une mouette, je m'envolerais loin, très loin. Je visiterais des pays et chanterais pour tous. Si j'exprime un vœu ou poisson rêve, exaucera-t-il? Donc finalement, tu es un peu dingue l'oracle des saisons, quoi. Tu chantes vers le monde. Hé, tu écoutes, Link, es-tu sûr que tu m'écoutes? Oui, ta gueule, c'est bon. J'aimerais tant connaître ton pays, Link. Oh, n'y va pas, je te le conseille. Un jour... Comment? Le Morse? D'accord, je t'accompagne. Voilà, tout simplement. Comme quoi, quand vous écoutez une fille balablater pendant des heures, après vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Vous vous êtes emmerdé pendant 2 heures à écouter ces conneries. Mais après, la récompense est là. Voilà. Marine se joint à toi, c'est la chance de ta vie. Et c'est le seul moment du jeu où Marine vous suit. Et j'ai envie de dire, c'est le seul moment du jeu... Et c'est pour ça aussi que les photos sont bâtardes. Parce qu'il y a 3 photos à voir avec Marine. Et du coup, vous ne pouvez les faire qu'à ce moment-là. Et vous devez un peu vous balader quand même pour les faire. Hein. Donc, et c'est des trucs totalement random. Vous allez voir. Je vais vous montrer les photos. Vous allez dire, mais c'est introuvable sans Solus, c'est introuvable. Moi j'ai pris une Solus pour le trouver, hein, je vous le dis. Hein. Première photo, il faut venir ici. Ici. C'est ma première balade avec toi, Link. Et la dernière. Cette falaise sera notre jardin secret. Tu ne parles pas? J'adore les photos. Pourquoi ne pas prendre une photo à l'écart de tous? Appelons-la. Je vais la développer. Viens vite à la voir.
Pardon, Marine, tu es devenu photographe? Putain, mais où il est, le photographe? Il était caché où? Il était dans la mer, c'est ça? Il était dans l'eau, il a... Ça, c'est quand même totalement what the fuck, quoi. Mais bon, c'est un peu nice. Va chercher. Ah bon, j'espère que s'ils mettent les photos sur la version Switch, qu'il y aura au moins une vraie récompense avec. Deuxième truc, encore plus random que le précédent. Vous voulez voir encore plus random que ça? Regardez. Vous devez tomber ici avec Marine. Bonjour, je suis le photographe. Quelle belle occasion de faire une photo. Qu'est-ce qu'il fout là? Appelons-la Belle Tête. Oh, désolé, rien de cassé, Link. Voilà. Voilà. Et la dernière, c'est... Oui, ne dites rien. Y a rien à dire, façon, y a rien à dire. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, ici. Devant le... Bon, ça, c'est plus trouvable, entre guillemets. Et Tarquin est là. Hé, hey, Marine et Link, allez-vous prendre des photos? Pourquoi ne pas photographier tout le monde? Moi y compris. Voici mon bel appareil photo. Tu es prêt? On sourit. Ok, j'ai fini. Je me rentre. Telle une peste mojo, c'est ça? Oui, je vais vous montrer les fantaisies de Marine. La pauvre poule, arrête donc! Vous allez voir. Vous allez voir, hein. Vous allez comprendre. Mais... Au bout d'un moment, elle aime ça, je suis convaincu. Vous allez voir, ma patience va payer. Je vous montre des trucs, hein, tant qu'à faire. Bon, j'ai compris. Mais il me semble qu'au bout d'un moment, il dit qu'elle aime ça. Ou bien ça a été enlevé dans la version couleur, une fois de plus. Ah, il dort, tout à fait. Link, tu fouilles souvent dans les tiroirs des gens. Voilà, lorsque Marine est avec vous, le jeu change. Aïe aïe oui, j'en ai marre de ces abeilles. Formidable. Alors sinon, il y a ça aussi. Dès que tu creuses, vas-y, creuse. Creuse encore. D'accord. Merci, Link. Pas terrible. Pardon, j'ai dit quelque chose? Eh, hey, ça suffit, la parano. Ah oui, d'ailleurs, je me souviens dans la version avec Retro Cube, j'avais fait des trucs totalement what the fuck, elle me suivait jusqu'au bout du jeu, c'est pas ça le délire? Enfin, jusqu'à ce que je rencontre son double et que le jeu crachait, c'est pas ça? Et du coup, j'ai dû refaire le donjon 7? Ouais, je me souviens maintenant d'un coup, je sais pas pourquoi. Je me rappelle d'un coup du bazar, de la fantaisie. Du coup, hop, on va replonger dedans. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui reprochaient ça, qui disaient « Ouais, faut retomber à chaque fois dans le trou pour se mettre à la bonne situation. » Mais c'est bon, il y a juste 3 trous pendant les 3 quarts du jeu. Le 4ème se débloque juste à côté du donjon 8. Donc au pire, vous rentrez juste dans le trou une fois, deux fois, et c'est fini, hein. Vous savez, c'est pas la fin du monde, hein. C'est encore, il y avait 10 endroits, j'aurais pas dit. Comme dans Zelda 1 pour les 8 donjons, ok, c'est chiant. Mais là, c'est pas si chiant que ça, quoi. T'as juste 4 endroits. Enfin, 3 pendant les 3 quarts du jeu, donc... C'est ce gros lard de Morse. On lui fait peur. Oui. Voilà, donc, il faut comprendre que Marine a une voix terrifiante. Nya, nya, nya. Voilà, c'est ce qui s'est passé sans doute. Ça vous rappelle pas Pokémon ce passage avec le Ronflex? Ton réveil était plutôt brutal, hein? Tiens donc, il m'appelle. Oh là là, c'est toujours pareil. Je vais au village des animaux. Rejoins-moi. Oui, mais pas du tout. Et voici le désert. Oui, on change totalement d'ambiance. Pourquoi pas? Donc là, c'est pareil, on va faire le truc en speedrun. Parce que la clé, en fait, elle est juste là. Je vais pas me casser le cul à aller tout partout avec. Minable, ne vois-tu pas que tu me gênes? Pourquoi tu dis ça d'un coup, en fait, petite lamnola? Laissez-le faire, c'est Link Sagrini. Voilà,
magnifique. Tu as la clé poisson et tu tombes dans le trou parce que tu as pas le choix. Pareil, quart de cœur totalement random ici. Oui, ici, tout à fait. Comme... Ah, putain, j'avais oublié celui-là. Comme ça. C'est pas une blague, hein, c'est comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les quarts de cœur ont été mis au pif, t'as l'impression, quoi. On dit, patron, on sait plus où mettre, il nous manque 4 quarts de cœur à mettre. Ouah, wow, mêlé au pif dans des grottes, là, mais y a pas cette place. Bon, fais une fissure qu'on voit même pas et que les gens, ils devront aller. Pareil pour les quarts de cœur sous l'eau, il y a 2 quarts de cœur sous l'eau, ils sont introuvables. C'est pareil, au patron, on a plus de place, il nous manque encore 2 quarts de cœur, bon, pff. Mêlé au pif dans l'eau, dans ce pixel-là. Mais monsieur, c'est nulle part. Miyamoto, c'est mieux. Mais c'est bon, ça va. Ça nous fera plus d'argent quand ils appelleront Nintendo Hotline. Donc c'est vrai qu'on passe, comme Nintendo, ont beaucoup évolué. Ils ont passé d'un truc qui est totalement random pour le 100% à un truc qui est totalement casu de nos jours. C'est un point de vue, hein, écoutez, c'est comme ça, hein. Enfin, quoique, Link to the Past n'était pas si improbable que ça, hein. C'est vraiment dans les épisodes, j'ai vraiment l'impression que c'est les épisodes Link's Awakening, les oracles, où les trucs sont totalement what the fuck. Oh, ouh, cette clé évoque un poisson remontant une cascade. Va à cette cascade, fais disparaître l'eau et saute du sommet. Merci. On va en profiter pour apprendre la balade du poisson rêve qui sera indispensable pour finir le jeu. Oh putain que ça rame. Oh putain, vous avez vu ça? Ah, la Switch, là, commence à... Mais c'est un ocarina que tu as là. Veux-tu en jouer pendant que je chante? Ah, le duo magnifique. À savoir qu'on peut le faire, aussi au village des mouettes, hein, y a pas de problème. Hein. Merci, merci, merci. Alors, comment tu la trouves? N'est-elle pas émouvante? Sauras-tu t'en souvenir? Ah oui, il faut mettre oui, sinon il la rechante. Bande de con. Tu as appris la balade du poisson rêve. La jolie chanson de Marine est gravée en toi. N'oublie jamais ma balade. Dis-moi. Ouais, laisse, elle est un peu chaude. Juste un petit peu. Bon. Oui, c'est bon. Ah non, c'est vrai, ça va être l'horreur, ça. Sur Game Boy, c'était pareil. Quand tu sais, si tu as le malheur de passer ton curseur sur l'ocarina, il te dit « Quel champ veux-tu faire ?» avant de devoir le quitter, quoi. C'est vraiment très chiant. Bon, le reste ne sert à rien. Il y a une photo qu'on peut avoir ici, mais il me faut la loupe. Donc, c'est pas tout de suite. Quête d'échange. Bon, on va aller ouvrir notre donjon 4. Ta-ta-ta-ta-ta... Non! Mon bouclier! C'est bon. Il l'a pas bouffé, je crois. Là, c'est pas ici. Ah, c'était à gauche. Oh, putain, fais chier. Bon, on évite de passer sur le... De passer le curseur sur l'ocarina. Ne jamais oublier. Mais c'est vrai, on a atteint la moitié des cœurs, maintenant. Merci de la musique de t'énerver et de monter le volume à 200%. Ça a fait très plaisir à mes oreilles et aux vôtres aussi, sans aucun doute. Allez, nous allons aller pour la première fois dans les montagnes. Et ce sera pas la dernière du tout, mais pour notre plus grand malheur. Mais c'est comme ça. Alors ce qui est bizarre, c'est que le hibou va venir ici quand on fera le donjon 7 et 8, vu que c'est dans la montagne qu'ils sont. Mais du coup, on sera déjà passé par ici plusieurs fois. Oh, c'est bon, je suis en titan. En titane. En titan, oui. Alors là, t'as un quart de cœur qui te nargue. Je ne sais pas du tout comment l'avoir, mais c'est comme ça. Je peux... Ah oui, il me faut les bottes obligées, parce que là, c'est juste 20 rubis. On va le prendre quand même, hein. 50, pardon. Autant pour moi. Bah écoutez, on a bientôt l'argent. L'argent des abonnés est présent plus que jamais.
On va aller voir cet homme-là. C'est la quête d'échange. D'ailleurs, si vous allez voir pendant l'intro du jeu, vous allez voir au village des mouettes. C'est un piège. Et il va vous, vous dire... Il va vous dire, ouais, plus tard, je serai prisonnier dans les montagnes, tu viendras me sauver, d'ailleurs. Il est médium. Je te l'avais prédit, voilà, je me suis perdu. J'ai trop faim pour faire un pas de plus. Me nourriras-tu? Oui. En remerciement, je mange la nana, voilà. Ta-ta-ta. En remerciement, je mange la tarte. Voilà, c'était une référence dans Zelda Solaris, ça. Je te donne cet hibiscus, voilà, tout à fait. Ah oui, c'est au village des animaux, ça, l'hibiscus, il me semble. Oh putain, il va falloir retourner au village des animaux après. Quel emmerdement. Ah, toutes ces cavernes, je les ai mappées. Hein. C'était un... C'était très long. Mais bon, la récompense était là, quoi. Je peux pas aller plus loin, il me faut les palmes. Dommage. Allez, donjon 4. C'est parti. Niveau 4. L'abîme du poisson. Attention, accrochez vos montres. Parce qu'une fois de plus, ce donjon sera très court. Tant qu'on n'est pas rendu au donjon 6, les donjons seront très courts et très simples. C'est ça aussi qu'il faut attendre un peu longtemps avant que les donjons deviennent complexes. Là-haut, dans les autres Zelda, les oracles, par exemple, dès le donjon 2, ça devenait chaud. Mais bon, c'est Capcom. Capcom, c'est pas Nintendo, c'est moins casu. C'est pour ça. Oh putain, je l'ai tué en un coup, forcément. Tu as la boussole, oui, mais ça c'est normal. Oui, je sais. Vite. Oui, je sais. Oui, c'est un progrès, ta gueule. Le progrès, c'est pas de pouvoir skip les textes, en tout cas, pauvre con. Attends, bougez plus vite, vu que je suis... Oh non, il est là-bas, le connard. Viens ici, putain, ça l'a pris. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de... Mais vite. Il est un peu con des fois quand même, ce Zeldu. Il est un peu con, Zeldu, quand même des fois. Hein. Vous l'avouerez bien. Hein. J'ai trouvé une clé, on va quand même aller là. Donc à gauche, il me semble que c'est la grande clé, donc je peux rien faire. Ouais, c'est ça. Ah, il y a une, il y a des bombes. Je prends toujours les bombes. Hein. Il me semble que tout ce beau truc ne sert à rien. On va regarder. Ah, ça sert à rien. La carte, quoi, ouais. Ah, ça peut servir à quelque chose, ici. D'ailleurs, il me semble dans le speedrun qu'on glitch totalement ce bazar-là. Hein. Un peu de triche, toujours, ça fait plaisir. Ah bon, 15? Je suis pas limité à 10? T'as la découverte. C'est pas grave. Je suis protégé. Voilà. On peut reprendre notre plume favorite. Oh putain! Oui, par contre, j'ai toujours pas l'épée. Non, je le savais que ça arrivait. Hop. Alors, il y a aussi des gens qui reprochaient que les bots puissent pas se réutiliser en plusieurs salles, mais ça va, les bots s'utilisent pendant qu'on marche, donc c'est pas la mort. Sauf si dans le remake, forcément, ils s'arrêtent avant de foncer, là, ce serait vraiment chiant. Mais bon, vu qu'il fait ça en marchant, voilà, je pense que ça ira. Ah merde, il faut le jeu à oublier. Allô? Ah oui, putain. Bah en fait, le truc, c'est que la tunique rouge fait certes double dommage, mais elle projette les ennemis au loin. Donc, c'est vraiment pas pratique. Et ça n'est pas aller plus vite, contrairement au fragment de puissance qui fait aller plus vite. Donc, au final... S'il faisait aller plus vite, là, j'aurais sûrement pris, c'est sûr. Parce que vous connaissez, moi, et la vitesse, voilà, quoi. Mais bon, là, ça sert vraiment à rien, quoi. Il me faudra des palmes pour ça. Ouh.
Vous comprenez pourquoi c'est chiant ce gameplay de gland et de... Et de fragments de puissance, la musique est très belle, mais on passe son temps à entendre cette musique qui est dégueulasse. En plus, c'est pas comme si c'était une belle musique mythique. Non, c'est une musique dégueulasse, quoi, putain, qu'on entend. C'est vraiment... Ils auraient pas dû mettre de musique, quoi. C'est vraiment un truc chiant, ça. Ça, je pourrais pas l'avoir. Donc, c'est pas la peine de le regarder. Félicitations. J'aurais dû sauter aussi au lieu de faire l'abruti. Ah. Pardon. Mais comment ça? Mais putain. D'où il m'a touché, quoi, le truc? Voilà. Donc ici, je vais aller jusqu'ici. Je pense que c'est un piège, oui. Le boss. Beaucoup d'exploration. L'ordre mystérieux. Je pense qu'il ne marche pas. Pardon. Putain. Je pense qu'il marche pas tant qu'on l'a pas vu sur la... Putain, mais... Vous avez vu ça? La chute de framerate, quoi. Hallucinant. Ah. Bon, tu sais quoi, on va le faire plus... On le fera plus tard, parce que ça m'énerve. Ouais, on fera plus tard. Hein. Bon, j'ai ma clé. En fait, j'ai l'impression que le jeu supporte pas trop les... Oh, ça, je veux. Supporte pas trop le fond animé, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça ramouille. Même si ça n'a rien à voir, mais c'est mon PC qui est légendaire, vous savez. Alors, par contre, le boss de donjon est anecdotique. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est le boss le plus nul de tous les Zelda confondus, je crois. Je sais même pas comment ils en sont arrivés à faire un boss aussi merdique. Mais bon, on va pouvoir faire le mini-boss au moins avec son upgrade. Putain, t'as beaucoup de vie pour un... Ah, c'est parce que j'avais pas ma puissance, d'accord. Quand j'ai rencontré le mini-boss, le truc a dû se reset à mon avis. Ce qui est très dommage. Ouais, en théorie, je pouvais aller assez vite si l'ennemi m'avait pas totalement bloqué. Merci, connard. Ok. Et on peut mourir d'écrasement. Enfin, on peut se faire écraser, hein, entre les deux blocs. Ça a été prévu par le jeu, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, les palmes. Ça va aller. Tu vas mourir, saloperie. Je te le dis. Ah, c'est, on commence à tomber sur des trucs chiants là. Ça va être génial. Voilà. On retient cet ordre. On n'oublie pas. Bah tiens, on peut le refaire ici. Oh, il faut tuer tout le monde. Zelda Logic. Voilà. Je me demande toujours, est-ce que... J'hésite. Est-ce que c'est... la grande clé, ou est-ce que c'est le boss, là, qu'on va? Parce que je ne sais jamais la différence entre les deux. Donc ce donjon est un peu plus long, en effet. Parce que t'as aucun moyen de savoir la différence entre les deux. C'est la grande clé. Parfait. Merci. Il y a encore une clé qu'il faut que je cherche. Ça, je sais c'est où. Ah oui, c'est sûrement ici qu'il y a la grande clé. Enfin, qu'il y a le sous-sol qui mène au boss. Putain. J'arriverai à parler un jour. Hein. Je vous promets. Voilà, donc la grande clé est tombée. On ne l'a pas vue, mais elle est tombée.
Elle est tombée ici, et il me fallait les palmes pour la chercher, forcément, parce qu'elle tombe ici. Une belle logique, hein. Très très belle logique. Pire, je peux pas passer ici. Pas du tout. Bah tiens. Peu d'argent de poche, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, on va pouvoir aller voir le boss. 45 minutes, parfait. On va pouvoir un peu continuer, mais je pense qu'on va pas tarder. Je sais pas si on s'arrête direct après ou si on se dit c'est déjà une bonne partie. Parce que c'est vrai que la première partie était un peu plus longue, j'ai pas vu le temps passer, donc histoire de compenser. Même si je m'en fous des durées de vidéo, vous le savez, mais bon, histoire de pas faire un truc qui se finira en deux vidéos, quoi, c'est ça que je veux dire. Glou 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 glou, attention, miam à manger, attention. En joie. Voilà. Le boss. Ah, c'était le boss, hein. C'est pas une blague, hein. C'était le boss. C'était un boss. Oui, tout à fait. Donc, s'il est nul sur la version Switch, je comprendrai aussi. Rassurez-vous. Tu as la harpe du reflux. Psst. Harpe du reflux, la 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 harpe du reflux, tout à fait. B, ta route passe par la B. Merci. Bon. Ah oui, attends. On va venir ici tant qu'à faire. Un autre moyen de se téléporter. Je suis Manbo, descendant du poisson lune. As-tu l'ocarina? Oui. Alors je vais t'apprendre ma chanson. Attention, vous êtes prêts? C'était magnifique, n'est-ce pas? Tu as appris le Mambo de Mambo. Quand tu sors de l'eau, joue cet air. Vous allez voir, c'est un truc qui vous TP en fait à une case précise. Ça vous TP devant Monique la lunatique. Voilà, c'est une personne... voilà, c'est un personnage qui vous vend des potions. Contre 69 rubis. Non, 68 rubis, pardon. Justement, la confusion aurait été trop présente. Donc ici, attention, premier quart de cœur que Miyamoto savait plus où foutre. Ici. Ah, je jure qu'il est là, hein. Voilà, il était ici. Logique. Et donc, le suivant, il faudrait que j'aille ici, parce qu'il est, à côté du château cannulé. Mais il faudrait que je descende et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... jouer le chant. On ne va pas acheter de potions parce que il y a des potions qui sont trouvables dans les donjons. Donc voilà quoi. Et vu qu'on peut en transporter qu'une seule à la fois, vu qu'on n'a pas de flacon dans ce jeu là, voilà quoi. Ah, ça y est, les emmerdes commencent. Donc j'espère que vous êtes très patients. J'espère que vous avez une... que vous ne trouvez pas ce petit bruit chiant. Parce que si vous le trouvez chiant, et bien vous êtes mal barré, vous allez entendre pendant tout le long du jeu maintenant. Donc ce fantôme, en fait, il veut quelque chose. Mais le problème, c'est que même quand vous regardez les astuces, le gars vous dit, Pépé le Rameau le dit, bah, fais ce qu'il veut. Mais il vous dit jamais ce qu'il veut. Et il veut juste rentrer chez lui. Et chez lui, bah, c'est une petite maison près de la mer qu'on a vue en... On a vu il y a pas longtemps. Pendant que j'essaie de tricher. Voilà. On est passé par la maison. Alors le château cannulé, on va déjà aller chercher ce fragment de cœur. Oh, que c'est chiant.
Alors je pense que je peux passer par ici, oui. Donc il faut faire tout le tour du château. Ah. Ce voyage a été très long. J'ai adoré cette expédition. Et le poisson. Le fantôme, vous le voyez à moitié, vous. Oh, attendez. C'est pas bugué au moins? Non, c'est bon. C'est... Oh, désolé, hein. J'ai cru que le son du micro sortait de mon PC. J'ai paniqué. J'ai paniqué, je me suis dit, oh non, ils vont encore avoir un son de merde. Parce que c'était arrivé une fois avant. Excepté ma vidéo Trust Mario Galaxy, bien sûr. Donc, cet écran-ci, il y a un quart de cœur. C'est évident! Il est évident qu'il y avait un quart de cœur ici. C'était limpide. Ah ouais, c'était limpide. Tout à fait, c'était limpide. Il nous en reste plus que 4... Plus que 4 quarts de cœur à trouver. On a fini, figurez-vous. Et ouais. Moi, est-ce que j'amène Monsieur Fantôme, est-ce qu'il veut aller, ou bien est-ce que j'arrête? Oh, je pense qu'on va quand même continuer jusqu'à un certain point. Ouais. Ça me fait plaisir. Bon. La maison près de la plage. Est-ce que je peux me TP ici au moins? C'est vraiment génial. Et vous voyez le fantôme à moitié, vous, c'est génial. Bon. Pas ici. Oui, j'avais les biscuits à donner à l'autre. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on reviendra ici plus tard. Ce n'est pas bien grave. Bon, on va t'amener chez toi, tu vas arrêter de me faire chier. Ça te va comme plan? Je vais vérifier quelque chose. Ah oui, il faut le brasser à niveau 2 pour pousser cette girouette. Indeed. Voilà, j'avance en moonwalk, c'est magnifique. Oui, par contre, il y a un glitch pour la version Game Color pour le finir méga vite, c'est on peut rentrer de façon buggée dans la petite hutte du chompe à la mode, voilà. Allez, viens. La petite maison va bientôt y arriver, je vous rassure. Voilà. Voilà. Oui, entre. C'est bien ma maison. Oh, merci. Vous le voyez, hein. Il est là. Que de souvenirs. Rien n'a changé. Bouh. Assez. Je veux aller dans ma tombe. Voilà, ça tombe, donc vous allez forcément au cimetière. Mais le problème, c'est que ça tombe pas au cimetière. Enfin, en tout cas, elle est à côté du cimetière. Bon, on va d'abord tricher, hein, fuck it. C'est bon, j'ai assez entendu. Forcément, ce jeu peut pas être chiant jusqu'au bout. Voilà, tu as trouvé un coquillage. Bien. Bien. J'ai plus parlé, moi. Force, c'est assez hallucinant. Hein. Oh, ton gland, je m'en foutais, de façon, c'était de la merde. C'est vraiment facile. Bon, si tu me dis qu'il fallait le grappin, après je me la coupe. Hein. Non, c'est bon. Ok. Donc, nouvel upgrade, on va pouvoir upgrade nos bombes. Ce qui fait beaucoup plaisir. Vas-tu monter si je t'accorde. J'attendais, je me disais, bah pourquoi... Ah oui, d'accord, en effet. Il est légèrement de travers. Dis donc, toi, merci de m'avoir dérangé pendant ma sieste. Tiens, j'ai un cadeau pour toi, tu es prêt? Oui, oui, tu veux plus de bombes? Bien sûr que j'en veux plus. Voilà. Tu as vu tout ce que tu dois porter? Voilà, 40 bombes, je pense. Je pensais que c'était 20, du coup. Ah non, 60 bombes. Ah oui, quand même. Oh, ça me va, hein, moi. Et vu que ce jeu a la formidable habitude de sauvegarder dès que vous prenez une porte, je peux même pas faire 7 quid comme dans Link to the Past. Terrible, c'est terrifiant ça. Terrifiant ce jeu. Ah non, j'aurais pu faire mon...
J'aurais pu faire le Mambo de Mambo pour sortir plus vite. On va le faire. Voilà, magnifique. Ah, le fantôme s'est manifesté apparemment. Le temps d'un petit instant. Et par contre, attends. Voilà, merci. Parce que si je, comme je vous l'ai dit, si je mets le curseur sur ce truc, c'est très laborieux de s'en sortir. Voilà. Je pense que je peux passer par ici. C'est juste qu'il y avait une pierre avant, non? Mais oui, bien sûr. Donc sa tombe est ici. Oui, le cimetière est là. Mais sa tombe est là. Ça semble être rien. Mais croyez-moi, quand vous le savez pas, c'est très chiant. Tu as trouvé un coquillage, oui. Ah, tant qu'à faire. Merci, dans ma maison, regarde sous les jarres. Sayonara. Merci. Ouh, cela fait longtemps qu'on ne s'est rencontrés. Hein, trop longtemps. Enfin, pas assez. Plonge dans la baie de Martha et entre dans la gueule du poisson-chat. Plus tu es près du poisson-rêve, plus son sommeil est agité. Tu es dans la bonne voie, oui, au plus les monstres deviennent agressifs. Pareil, une fois que vous avez rapporté le fantôme, si vous vous mettez devant la tombe, vous aurez une photo. J'adore les photos. Hé, Link, que fais-tu dans le coin? Et toi alors? Qui est ce fantôme? Je suis sûr qu'il est heureux grâce à toi. Es-tu prêt pour la photo? Ah oui, un peu flippant. Sur la photo, vous voyez le fantôme qui est là, en fait. Appelons-la, j'ai eu très peur. Souriez. Voilà, vous voyez, il y a le fantôme à côté. C'est très marrant, hein. D'ailleurs, on peut pas lire la tombe. Pas du tout. Donc on a un quart de cœur également à avoir, mais je pense pas qu'on puisse l'avoir comme ça. Faudrait que je vérifie. En tout cas, j'ai plus mon effet de fragment. Faudrait que je vérifie. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Je pense qu'on peut l'avoir. Oui, ta gueule. Pardon. Je pense qu'on peut l'avoir. Avec un saut un peu, voilà quoi, poil de cumarde. Oh là 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 là. Parce que normalement, il faudrait les grappins pour aller là, mais fuck. Fuck les règles, vous le savez. Avec Zelda, fuck les règles. Et donc, si vous sortez par ici... D'accord. Donc, si vous sortez par ici, n'est-ce pas? Voilà, vous arrivez ici. Totalement what the fuck une fois de plus, hein, mais bon, on a l'habitude. Par contre, c'est pas du tout par ici, le poisson-chat, monsieur. Oui, c'est pas très sérieux, tout ça. Il faudrait que j'aille... Oh, putain. Labyrinthe. Un mini-labyrinthe, attention. Allez, on va aller jusqu'au donjon, je suis généreux. Le truc, c'est qu'on a plein de choses à faire, en fait. Parce qu'il y a plein de choses que je pourrais faire dès maintenant et... Et devenir totalement pété, mais bon, le problème c'est que c'est assez chiant. Donc je préfère attendre de finir le donjon 5 avant. Histoire de... Quand on commence à se faire une petite réserve de vie, ça fait plaisir. Ouais, allez, on va faire l'hibiscus à madame, déjà. Ouais, l'hibiscus à madame. Donc l'hibiscus, c'est pareil, c'est dans une maison au pif, vous avez quelqu'un, vous avez une fille. Un peu féministe sur les bords qui arrive et qui te dit « Oh, si t'as pas de fleurs, je te parle pas. » Merci, hein, voilà quoi, c'est très gentil. Oh, tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander. Je peux? Oui. J'aimerais te confier une lettre pour Miss White qui habite dans la forêt. Merci d'avance. Voilà, une lettre de chèvre, super. Et la petite musique est vraiment mignonne. J'aime beaucoup cette musique, mais on ne l'entend pas assez à mon goût. Mais bon, c'est comme ça, hein.
on va se re-TP. C'est là qu'on voyage beaucoup parce qu'on fait la quête d'échange, hein. Vous le savez, c'est très long et très chiant. On va retourner à la forêt, du coup, vite fait, pour donner la lettre à Monsieur Wright. Alors ça, cette grotte-là, vous dites, mais pourquoi il va jamais dedans? Parce qu'il me faut le grappin, en fait, pour avoir son trésor. Et de toute façon, c'est juste de l'argent, donc je m'en fous. Enfin, je m'en foutrai un peu moins après, hein, ça c'est sûr, mais bon, pour là, je m'en fous. Bah, mais celui-là était juste là. Eh oui. Regardez-moi ça! Regardez-moi ce clin d'œil formidable, hein. Je les ai jamais mentionnés, mais oui, il y a des Goombas, il y a le Chomp, il y a plein de piranhas, c'est vraiment un rêve, hein. Et théorie de fan, attention, se pourrait-il que l'univers de Zelda et l'univers de Mario soient dans le même monde en vrai, et que du coup Hyrule, c'est un royaume à côté de Royaume Champignon? Qui sait? Oh, quelle beauté! J'aimerais te remercier, mais je n'ai que ce balai à t'offrir. En veux-tu? Bah oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais cette photo, ce n'est pas... voilà. Même le jeu insiste, tu vois, en mode... Hey, t'as bien vu mon clin d'œil? Hey, mon clin d'œil, wink wink, tu l'as vu, là? Ouais, c'est bon, on l'a vu, calme-toi, hein, c'est bon. C'est un rêve, ça va. C'est un rêve, tout est permis, il y a même Kirby dans le jeu. C'est bon, on est enfin sorti là. Ok. Merci. Donc le balai, on va le donner à la grand-mère qui a perdu son balai, voilà. A savoir qu'à un certain moment du jeu, elle est au village des animaux. Chose que qui ne m'est jamais arrivée, mais... Avec le remake Solarus, la Link to the Dream, eh bien, il s'est avéré qu'en effet, j'ai appris qu'il était possible qu'elle soit au village des animaux à part un certain point. Donc voilà. Un balai neuf, merci. C'est pour moi. Mais oui. Non, c'est pour le pape. En récompense, je te donne un hameçon que j'ai trouvé au bord de la rivière. Merci beaucoup. Que feras-tu de celui-ci? Bonne question. Je me fourrai dans le cul. Non, pardon. De l'argent, il me faut de l'argent, n'oubliez pas. 980 rubis pour l'arc. D'ailleurs, il les faudrait maintenant, en fait, avant d'aller dans le donjon, pauvre con. Oh merde! Le gars vient d'y penser. Il vient de penser. Il vient d'y réfléchir. Ouais, bon, bah, écoutez. Go aller à pied, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, allez, go aller à pied, on y va. On va prendre les bottes, on ira plus vite. Parce que dans l'herbe, on va vraiment pas très vite. On va go prendre tout l'argent qu'on trouve, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, j'espère par contre que je peux aller... Ah oui, il y a un coquillage aussi à avoir, tant qu'à faire. Comme ça, je m'approche du goal. Ici. Ouais, tout à fait. Bien, on avance. C'est ça qui est sûr, en tout cas, et ça qui fait plaisir. Paf, dans ta gueule. Par ici. Pas par ici, en tout cas. Donc le hameçon. Pour le hameçon, il faut aller à un certain endroit. Ici. Voilà. Paf! Plonger ici. Et je pense que t'as pas le choix de sauter, bien sûr. Voilà, logique. Mais qu'est-ce que tu as dans la main, n'est-ce pas, un hameçon? Si tu me le donnes, je te ferai don de ma prochaine prise, d'accord? Et vous allez voir cette prise légendaire qu'il va avoir. Ouvre les yeux et mate le pro. Sa mort, il est énorme!
Voilà, un collier. Ah oui, ce n'est pas une écaille, bien sûr. J'ai oublié que c'était pas la version. Oui, oui, c'est censuré, bien sûr. J'ai oublié ça. Voilà, ici. Ah, le voilà, c'est mon collier. Donne-le-moi, je t'offrirai une écaille. Oui. N'en prends qu'une seule. Non, une seule. Ah non, c'est son bikini. Ah non, oui, c'est son bikini qu'on avait, oui, bien sûr, dans la version noir et blanc. À quoi sert-elle? C'est une bonne question. Petit coquin, d'ailleurs, si vous plongez à côté, elle vous dit que vous êtes un petit coquin. N'est-ce pas? Ah, merde. Oh, faut aller dans la caverne et tout pour ça. Oh, relou marne. Attends, en plus, je suis sûr que je vais se tromper de chemin, quoi. Pour aller à cette... Putain de... Ah d'accord. C'est donc une perte de temps. En effet, elle est ici. Ah oui, mais je pense qu'il me faut le... Il me faut le grappin pour aller là. Je crois qu'il me faut le grappin. Bon, je peux pas le faire tout de suite, en fait. Bon, faut vraiment que je fasse le donjon. Bah, direction sur le donjon. Hein. Il me reste encore deux coquillages. Un seul parce que je... Un, en tout cas, parce que je sais où il y en a un. Et le dernier, bah, on verra. Hein. On fouillera un petit peu et on tombera dessus, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour avoir l'épée niveau 2, ça se mérite. Bon! En tout cas, on va rentrer vers le donjon et on va s'arrêter là. Ça fait également 1h06 de vidéo, ce sera bien suffisant. Le poisson-chat. Qui a une musique assez nulle, mais bon. Donc voilà, on va s'arrêter aujourd'hui pour cette... Pour cette deuxième partie de ce let's play, vous voyez qu'on a beaucoup mieux performé. Mais comme je vous l'ai dit, le jeu est plus dur au début. Il est vraiment plus dur. Genre les deux premiers donjons, trois premiers donjons, tu te dis waouh, tu meurs très très vite, les ennemis font très très mal. Mais après, vous avez vu qu'une fois passé un certain point, comme je vous l'ai dit, le donjon 3-4, oui, une fois qu'on les a finis, bah, le jeu devient vachement beaucoup plus simple. Quoi. C'est... Vous avez vu quoi, c'est assez effrayant. Bon. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Moi, je vais ronfler parce que, voilà, je suis un peu fatigué. Et du coup, je vous retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo, sans doute pour la suite de ce let's play merveilleux, voilà. Allez, merci d'avoir regardé, bonne journée ou soirée à vous, et à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde !